Un énorme bravo à Milan et Marie qui ont fait la déco. Elle est pas mal la déco, non? Vous en pensez quoi? Merci. Merci d'avoir signé le pacte avec le diable. En vrai, je le tiens. En vrai, je le tiens bien, non? Avec le chétan. Starfallullah. Comment ça va tout le monde? Vous allez bien? Ça va? Vous passez une bonne soirée? Vous êtes prêts à rester pour le stream qui vole vos âmes? Le stream qui vole vos âmes! Donc on va passer 2-3 heures ensemble, 2-3 heures ensemble, vous allez voir. Il y a aussi l'équipe qui va arriver qui vont être déguisés. Alors je ne sais pas du tout en quoi ils sont déguisés. Il va y avoir Létard qui va venir déguiser, il va y avoir Toby qui va venir déguiser, il va y avoir Milan qui va venir déguiser et il va y avoir Marie. Ils vont tous venir déguisés. Je ne sais pas du tout en quoi. Voilà, c'est la surprise. On va être ensemble toute la soirée. On va se faire peur. On va regarder des vidéos qui font peur. Mais on parlera ensemble des trucs qui nous ont fait peur. Moi, il y a plein de trucs qui m'ont fait peur. Mais je vous dirai après. Les trucs qui m'ont fait peur. Vraiment peur. Comme un vrai Halloween avec des marshmallows, mais on n'a pas de marshmallows. Nous venons tous d'entamer mon mois préféré de l'année qui se culmine le 31 octobre par Halloween. Alors moi, les gens d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une opinion populaire, autant j'adore l'été, j'adore la chaleur et tout, autant j'aime trop l'hiver. Et en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est à partir du mois d'octobre-novembre avec le changement d'horaire et qu'à 17h il fait nuit. J'aime trop ça. Je peux pas vous dire, en gros, je suis en mode, ah c'est trop bien, il y a un côté un peu cocon. Un côté un peu cocon et un côté, allez, c'est 17h, rentrez chez vous, allez, on va au show. Ouais, il y a les lumières derrière. Aïe, 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 c'est des manifestations, qu'est-ce qui se passe? Allô, esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Esprit, si tu es une femme, clignote beaucoup. Bon, ça m'intéresse pas alors, c'est un homme, ça m'intéresse pas. C'est vrai que j'aime bien la nuit aussi. Putain, je croyais être le seul. Moi, j'aime trop les gens. J'aime trop le côté, allez, allez, c'est 17h, c'est la nuit, on est dans nos doudounes, on rentre à la maison. Voilà, moi, j'aime beaucoup ça. Mais moi, c'est pas que pendant Halloween qu'on brûle des trucs. Je rappelle que moi, je viens de Saint-Chamond. Et à Saint-Chamond, on a une coutume pendant le on a une coutume pendant le carnaval, c'est de brûler des chats. Voilà. Donc, quand j'étais petit, je croyais que tout le monde faisait ça. Je vais vous dire que c'est la vérité. Hein. En fait, on brûle un chat noir à Saint-Chamond. Et pendant le carnaval, depuis tout petit, on peignait en carton des gros chats noirs. Et je croyais que tout le monde faisait ça au carnaval. C'est après que j'ai appris que non. Il n'y a que à Saint-Chamond que vous faites ça. Quand j'étais petit, dans le centre social et tout à l'école, on peignait un grand chat noir. Et ensuite, on mettait un feu sur la place publique et on dansait autour du feu et on brûlait le chat. Et j'étais en mode, bon, bah, c'est carnaval, je sais pas, c'est comme ça. Et en fait, non, il n'y a que nous, on faisait ça, mais parce que c'est une tradition historique de Saint-Chamond. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous appelle les couramiaux. Parce que pendant le carnaval, à Saint-Chamond, ils couraient après des chats noirs et ils les brûlaient. Et en fait, il y a des chats qui arrivaient à s'échapper, ils leur couraient après. Et donc, ils s'étaient appelés les couramiaous et c'est devenu les couramiaux. Les gens, je vous jure que c'est vrai, c'est une vraie histoire. Hein. Couramio, c'est pour ça qu'à Saint-Chamond, on nous appelle les Couramio. Oui, je suis en costume de Guantanamo. En fait, c'est pour dénoncer le traitement des prisonniers de Guantanamo. Parce que j'ai l'impression que les gens oublient, mais qu'ils ne sont pas très bien traités à Guantanamo. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait un syndicat de prisonniers à Guantanamo qui émerge, voilà, pour défendre la cause du Guantanamo. Parce que ce n'est pas parce que c'est Halloween que je ne peux pas parler, que je peux pas être politique. Moi, je suis toujours politique. T'es beau comme un camion. Toi, t'es belle dans ta résilience. C'est très bien la lumière. Excellent. Excellent. On dirait qu'il y a les orages, en fait. Attendez. Celui qui a la lumière, attends 2 secondes. Je vais mettre un effet sonore. Et tu vas faire les éclairs quand je te dis. Attends. Vas-y, fais les... Incroyable. En vrai de vrai, ça va. On a travaillé, hein.
Est-ce que ça vous dit d'abord, on regarde, pour se mettre en forme, les meilleurs films d'horreur? On regarde Bassem pour avoir peur. C'est quoi pour vous le meilleur film d'horreur? Moi, je vous le dis, par exemple, Shining, j'ai trouvé ça surcoté. Exorciste, ouais, il est excellent, Exorciste. Evil Dead, je crois que je ne l'ai jamais vu. Le premier Alien, ça a été un traumatisme dans ma vie, Blair Witch, mais parce que je l'avais regardé quand j'avais 10-11 ans, et mon grand frère m'avait fait croire que c'était une vraie vidéo retrouvée. Que c'était vraiment du vrai food footage. On n'avait pas retrouvé. Et moi, j'avais 11 ans, j'y croyais. Hein. Donc, j'étais perçu. Ça m'a marqué à vie. Hein. Il ne se passe rien dans le film. Mais quand tu as 11 ans et on dit, oula, manifestation, oulala, oulala. Oh putain. Bonjour, comment ça va? Je viens de vous parler de philo. En jouant mal. Horrible. Attends, mets-toi là au milieu. Mets-toi là au milieu. Oh putain, c'est horrible. Mais c'est il te mal, va très bien. On dirait vraiment... Bah, c'est moi. C'est moi, Dani. Je suis remonté dans le passé pour retrouver le pull. Je pense vraiment que c'est le costume qui doit faire le plus peur à Dani en vrai. Je pense aussi. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Ça, c'est vraiment Halloween. T'es venu nous hanter, Dani? C'est ça. Je suis venu nous hanter en parlant de philo. D'ailleurs, avec Milan, on devait aller voir l'histoire de Souleymane. Avant-hier. C'est vrai. Et en fait, au UGC, il y a eu un problème technique. Oui. Donc, on est allé voir Smile. Ouais. Le film Smile. J'avais oui. pas. On alors avait... que je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais... Voilà. Bah, je pense qu'il y avait un truc. Moi, je savais qu'il y avait un truc avec autour du sourire. Logique. Voilà. J'avais entendu qu'il y avait un peu d'horreur et un peu de sourire, quoi. Voilà. D'ailleurs, que des jeunes. Oui, on était les plus vieux de la salle. On était les plus vieux de la salle. C'était horrible. Oui, c'était très bizarre. En plus, ce qui faisait encore plus vieux, les gens. C'est qu'on était venus pour regarder l'histoire de Souleymane. On était même pas venus pour voir le film d'horreur, on était là en mode ouais, bon, un petit film d'horreur. Donc c'est vraiment les vieux, bon, bah, y a pas autre chose à voir. Nous, on voulait voir du cinéma, l'histoire de Souleymane, l'histoire d'un immigré et tout. Et on se retrouve à Smile avec que des jeunes. Ouais, que des jeunes. C'était. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Bien. Moi, je dirais bien. J'ai passé un bon moment, mais c'était pas incroyable. Après, j'étais agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était classique, on va dire. Enfin, il y avait un petit peu d'inventivité, quoi, dans le film. Ouais. J'avais peur d'avoir un film vraiment très hollywoodien classique et je trouve qu'il y avait quand même des tentatives d'inventivité même si c'était pas parfait tout le temps. Ouais, moi j'ai bien aimé, il y a des mises en scène cool et tout, franchement c'était sympa. Et mine de rien, les gens, des films d'horreur au cinéma, c'est le meilleur truc. Hein. Vraiment, c'est le meilleur truc. En fait, faut regarder. C'est bien mieux que. Bah, bien sûr. En fait, c'est soit au cinéma, soit avec 4-5 potes. Les gens, on regardait les meilleurs films d'horreur. C'est quoi pour toi le meilleur film d'horreur? Putain, le meilleur film d'horreur. Je sais pas, c'est dur. Shining, j'aime beaucoup. Oh putain. Mais c'est chiant. Quoi juste avant? Que j'allais dire Shining? Non, j'ai dit que c'est surcoté Shining. Ah, mais non, c'est pas surcoté. C'est surcoté. Ça fait pas peur par contre. Enfin, c'est un peu dérangeant. L'Exorciste, vraiment bien. Ouais. Qu'est-ce que j'ai aimé moi? J'ai beaucoup aimé Freddy, les griffes de la nuit. Il y a des films d'horreur qui font pas spécialement peur mais qui sont angoissants. Oui. Ou l'ambiance. Bah, Shining un peu plus quoi. C'est bah, plus ça. L'échelle de Jacob, les gens, si vous avez pas vu l'échelle de Jacob, allez voir l'échelle de Jacob. Tous les films de Carpenter. Ouais, The Thing très bien. Rec, c'est pas mal en vrai. Les gens, si vous avez pas vu. The Devil's Reject. The Devil's Reject, qui est un excellent film. Le seul bon film, le seul excellent film de Rob Zombie, je crois. C'est Tom Zombie ou Rob Zombie ou je sais pas quoi. The Visit. Ah oui, The Visit, excellent. The Visit de Shyamalan. Shyamalan, ouais. Shyamalan. Ah, ah. Oh là 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 là. Oh, je savais, mais ça me fait quand même mourir de rire. Oh putain, non mais... J'ai un problème. C'est pour ça que tu voulais pas que je m'appuie au joueur de foot. J'allais prendre de la bière. Ça allait faire doublon. J'ai un gros problème. Qui est qui? Est-ce que vous arrivez à reconnaître? Oh putain, non mais... Il va être habillé en race, l'étard. Mais c'est un très beau maillot que tu as là. T'as fait semblant de prendre Algérie? On allait dans une boutique de costumes quand même. La boutique de costumes, c'est toujours vide. Et là, il y avait Halloween, on n'avait pas prévu. Il y en avait dehors et tout. Il y avait, mais genre, il y avait 40 vendeurs. Bah, tu sais quoi, et les gens étaient comme vous. Oui, tout le monde était voilà, en mode. Voilà, ils sont là. Il y a du monde. Bah oui, comme vous, ils y vont jamais, ils y vont pour Halloween. Non, mais. Je vais pas dire. Moi, j'ai galéré à trouver un pull rouge. D'ailleurs, il faut absolument pas que je tâche mon pull. On va le rendre. Il a coûté un peu cher. Il a coûté combien? 90€. Quoi? Du coup. Attends, t'as acheté. T'es sérieux là? J'ai l'étiquette. J'irai le rendre. Il va le rendre. Tu te salis surtout pas. T'es très beau comme ça. Hein. Sache-le. Tu es plus beau que Dani ne l'était. Mais je parlais de toi. Ah, pardon. Dani qui prend une balle gratuite. Une petite imitation de Dani, mais je sais pas imiter Dani. Hein. Faut que je joue mal la comédie. Ouais. Ouais. L'étard. Bonjour. Oui, l'étard, alors on m'a et dit bienvenue. Que...
dans Doxa, la série qui parle de philosophie. C'est voilà, bien. Un peu comme ça. C'est bien. Comment, j'ai 25 comment c'est ans, possible Wissam. Attention. Ah, ah, ah. C'est qui? Oh putain. Oh, putain. On te voit pas derrière. Oh là là là. C'est par ici, madame. Madame. Madame, c'est par ici. Attendez, je vais vous aider, madame. Comment elle a réussi à trouver ce costume en si peu de temps, le gars? Pas dans ton sac à costume. Ah, d'accord. Bon, c'est... Bon, je vais prendre le caddie. Allez, venez vous asseoir dans le fauteuil le moins confortable. Madame Toby. Comment allez-vous, madame Toby? Ah oui, bah alors on est très bien là comme ça, les gens, ça vous va comme ça? Ah oui, les gens, juste une chose. Bah oui, on est tous allés voir Massacre à la tronçonneuse. Il y avait 500 personnes, allez, non, 200 personnes dans la salle. Oh, la seule personne qui est sortie pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Trois fois, c'est nous qui avons fait Trois fois. C'est Toby. Alors que le film ne faisait pas peur. Alors qu'on était au premier rang, donc tout le monde l'a vu remonter pour aller pleurer aux toilettes. Donc oui. Et qu'est-ce qui t'a traumatisé dans le Massacre à la tronçonneuse? Bah, pas grand-chose. Les tronçonneuses. Non, moi, je suis sensible à l'angoisse plus. Et je trouvais que c'était très oppressant. Mais en fait, c'est pas... Moi, ce qui m'a traumatisé, c'est qu'il y a un létard dans le film. Oui, il y a un létard. Bah, c'est le gars en fauteuil roulant. C'est le gars en fauteuil roulant. Qui est insupportable. Vous avez tous vu, les gens, le Massacre à la tronçonneuse? Oui, c'est tellement létard, c'est vrai ça. C'est létard. Ah, tu penses qu'il va revenir me chercher? Sally. Mais attends, mais pour me défendre, je suis pas sorti parce que j'avais peur, je suis sorti parce que j'avais envie de pisser. Trois fois. Genre, moi, le stress, ça me comprime la vessie et la prostate. Oui. Et du coup, je vais littéralement pisser dessus de peur. Oui. Bah oui. Ça devient dérangeant. Et donc, toi, t'es le fragile. Je peux endosser le rôle du fragile si vous voulez. Après, quel état on parle des vrais trucs d'horreur qu'on a eu. Vraiment les expériences les plus effrayantes qu'on a eues dans la vie. J'y ai pensé beaucoup. Alors, je crois qu'il m'est jamais rien arrivé. Ouais, d'horrible. Pareil, hein. Enfin, si, mais pas de peur. Ah bon? Et les attentats en France? J'étais pas là. Ça faisait pas... Ah, ça t'a... C'était ça pas horrible. Pas peur c'est... De fou. Non, mais qu'est-ce il m'est ça arrivé. Pas... T'as dit quoi? Ça faisait pas peur de fou. Gros, j'étais au milieu de la forêt à la campagne. Jamais personnel. J'ai jamais eu. Enfin, j'ai pas souvenir avoir eu peur dans un lieu ou un truc comme ça. Et le 11 septembre? J'étais petite. Ah, vas-y, on regarde des vidéos TikTok c'est d'horreur, les moi gens. Moi aussi, je crève de chaud. Ah non, ça c'est vrai, ça. C'est des caribous. Des caribous. Ah. Les routes, c'est bien pour faire peur, les routes. Si, il est très drôle. Est très c'était drôle, ça. C'était drôle, le caribou. En fait, le caribou. Tu connais c'est nul. J'ai la une anecdote qui fait peur. Vous saoulez. L'anecdote quoi? Tu connais la tarte qui fait le plus peur? La carte? La tarte. La tarte? Vas-y. La tarte tatin! Ah, ah! C'est super! Alors vous... C'est super! Attendez, j'ai une anecdote sur les routes. C'est une blague. Merci, merci Sofiane. Ah, il a une anecdote sur les routes. On écoute. Attendez, on met un plein écran. Par contre, c'est mon daron, c'est pas moi qui l'ai vécu. Ah. Mon daron, quand il vivait à la campagne, il s'ennuyait beaucoup et il était jeune. Et du coup, ce qu'il faisait sur les routes comme ça la nuit, c'est qu'il se mettait de chaque côté de la route avec un pote. Et je sais pas comment il se démerdait en fait, je suis en train de réfléchir. Mais genre, il se débrouillait pour faire monter un néon ou un truc comme ça, et les gens ils croyaient du coup qu'il y avait des extraterrestres ou des trucs. Ok, c'est pas ouf. J'ai pas écouté, pardon. Juste quand il me racontait avec mon oncle, j'étais subjugué, je me disais. Ah, recommence parce que c'est un peu plus calme, je crois. Si, en fait, là tu vois la route, il y a mon daron d'un côté et mon oncle de l'autre côté. Ils voient pas la route, les gens, hein. Mais dans la voiture? Non, ils étaient de chaque côté de la route, à pied, genre. Ok. Et du coup, ils se débrouillaient pour faire monter un espèce de néon avec un ballon ou je sais pas quoi. Et du coup, ça faisait très peur aux gens parce qu'ils croyaient qu'il y avait des extraterrestres, des trucs comme ça. L'anecdote est pas folle, en fait. C'est la merde. Cette anecdote est vraie. Oh. Parce qu'en fait, juste, j'ai vu la route, ça m'a fait remonter des souvenirs avec mon père et tout, et je vois plus trop. Je le vois après-demain. On peut regarder les TikTok si vous voulez, y a pas de souci. Ça détend quand même le bruit de l'orage. Et. Avec elle. Oui, mais c'est les jumpscares! C'est les Elle est morte. Madame, c'est pas le moment! On va avoir des problèmes avec l'assurance, madame! Madame! Ça va aller, madame. Vous inquiétez pas, respirez, y a Ned qui va arriver. Calmez-vous, mamie. Mamie! Elle casse les couilles, hein, la vieille. Putain, c'est chiant, les vieux. Elle convulse. Ça fait une voix pour Macron en moins, tu me diras. Ah ouais.
Ouais, en tout cas, heureusement qu'on a appelé le 18. Hein. Même, hyper rapide. Même Marion hyper, Cotillard, elle meurt plus vite. Non, mais après, les ambulances, c'est plus ce que c'était. Ouais, ouais hein, ça a changé. Hein. La personne est morte, en fait. La personne est morte, en fait. Allô, arrive. Le mec est dead. Oh Parce que comme ça tu vas t'ambiancer hein. Vas-y. Aïe aïe aïe. Vas-y vas-y ouais. Profond envie de mourir évidemment bien sûr. Ah bah oui. Le harcèlement. Ah oh là là. Zava prod. Regarde sa petite trousse à forme. Il est bien. Il y a tout, hein, y a le chat. Regardez, chercher un siège à ton infirmière. Létard, tu vas nous dire c'est quoi ton plus gros traumatisme en termes de film avant de parler des autres traumatismes. Oula, attends, Létard, parce que là. Merci. Croise les jambes, croise les jambes. Eh, hey, venez nous border. C'est quoi le film déjà? Basic Instinct. Tu as le meilleur costume, on peut l'applaudir, on peut applaudir. Oui, je suis d'accord. On peut applaudir. Les gens, est-ce qu'on est d'accord que c'est l'État qui a le plus beau costume? Quand j'étais petit, il y a deux films qui m'ont traumatisé. Ah. Alors le premier, c'est ce qui a causé un des plus grands drames de ma vie, c'est ma maman, elle a cassé mes jeux vidéo. Ça, je pourrais expliquer. C'est pas un film. Attends, non mais c'est en ma fait maman c'est a cassé causé, mes jeux causé vidéo, par un film. Causé par un film qui s'appelle Spider-Man 2. Hein le bouffon vert me traumatisait. Ah, gros, et du coup, pendant 6 mois, je n'ai pas dormi. Traumatisé dans le bouffon vert t'a fait peur Non, pas le bouffon vert, le gars avec les robots, Docteur Octopus. Docteur Octopus. Et en fait, je sais pas pourquoi, ça m'a terrorisé. Et pendant 6 mois, j'ai empêché mes parents de dormir. Du coup, au bout de 6 mois, ma mère, elle en a eu marre. Mais dis-toi qu'en fait, j'allais dans leur chambre. Faut savoir où en fait, j'arrivais tellement pas à dormir, je prenais ma couette. Ouais, attends quoi? Les parents de Létard n'ont jamais dormi parce que c'était pendant 6 mois, ils arrivaient pas à dormir. Oui, non, mais attends, pour ça, c'était particulièrement grave. Et en gros, ce que je faisais tellement j'avais peur, c'est que je sortais de mon lit, je prenais ma couette et j'allais m'endormir devant leur porte pour entendre leur respiration. Et en fait, le fait de... Oui, le fait d'entendre leur respiration, ça me permettait de dormir. Mais quand j'étais tout seul dans le noir, j'arrivais pas. Et parfois même, je rentrais dans leur chambre et j'allais dormir au pied de leur lit. Parce que j'avais peur. Et du coup, un jour, ma mère, elle en avait marre. Elle a pris mes jeux, elle les a cassés. Et après, j'avais encore peur et j'avais encore du mal à dormir. Mais du coup, j'osais plus de sortir de ma chambre. Mais en plus, ça n'avait rien à voir avec les jeux. Et si, si, parce qu'elle a cassé mes jeux vidéo pour me faire arrêter. Ouais, faire une bonne baffe, ça aurait suffi. De venir en mode tu arrêtes maintenant, tu nous laisses dormir. Et j'étais et genre, était en mode si tu t'endors pas maintenant et que tu arrêtes pas de nous casser les couilles, on casse tes jeux vidéo. Ça a marché? Bah, j'avais encore peur après, mais j'allais plus. Juste, j'avais peur et 6 jeux vidéo en moins. En plus, elle m'a cassé Age of Empires 2 à 9 ans. Et vous savez, les gens, Age of Empires 2, ce que ça représente pour un enfant de 9 ans. Bref. Et l'autre film qui m'a fait peur récemment, c'est Us de Jordan Peele. Ça t'a fait peur? Les doppelgangers, ça me terrifie, je sais pas pourquoi. C'est quoi les doppelgangers, les gens? C'est les doubles maléfiques. Ouais. Pourquoi ça te fait peur, les doubles maléfiques? Je sais pas. T'en as un? Non, mais j'ai peur d'en avoir. Est-ce que toi, tu es pas le double maléfique? Oui, c'est ça, oui. C'est toi. Et parfois, je me dis, au pire, s'il y a un double maléfique qui vient, je deviens fou. Et peut-être qu'il aura peur. Je me dis, je fais, c'est moi le double maléfique. Je me dis, genre, il a un mode psychologique. Je vais rendre fou le double maléfique. Il va demander qui est qui. Pourquoi il est devenu baka là? Et je me dis, peut-être qu'il va avoir. Et donc, votre plus grande peur en vrai, est-ce qu'il y a un moment où vous avez vraiment eu peur dans la vie? L'absurde. De tous les. Moi, j'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur des fantômes. Genre, enfin, genre. J'ai plus peur des gens que des fantômes. Ouais, l'humain est tellement détestable que finalement, les fantômes ne peuvent pas être pires. Il me dégoûte. Il me dégoûte. Hé, mamie. Il n'y a aucun épisode dans votre vie où vous avez flippé de ouf. Mais si, mais moi, quand j'étais jeune, je croyais un peu aux esprits et tout. Mais... Et t'as eu un truc où t'as flippé de ouf? Non, mais moi, j'étais un peu un gosse angoissé dès que j'étais seul chez moi. Mais gros, moi, j'habitais au milieu de la forêt, dans une grande maison. C'est une vieille grange, genre. Gros, ça craque dans tous les sens. Dès que j'étais tout seul, je flippais. En fait, j'avais trop peur, plus comme Milan, des cambrioleurs, genre des gens qui viennent chez toi et ils font du sale. Genre voler des trucs. Ah, moi, quand j'étais petit, attends, anecdote caca pipe. Quand j'avais 7-8 ans, moi, j'étais persuadé qu'il pouvait y avoir des cambrioleurs. Mais j'avais trouvé. Bah, il peut y avoir des J'avais trouvé une parade. J'avais trouvé une parade. Oui. Mais on va dire, j'étais en mode. J'imagine tellement l'état. Alors, à 7 ans dans son lit. En gros, je m'étais dit.
malade. Si un jour je me fais cambrioler, moi en fait j'imaginais que les cambrioleurs ils allaient venir chez moi et me séquestrer en fait. Ouais, classe. Il y a des gens qui allaient venir et me séquestrer, mais genre me séquestrer chez moi. Et genre prendre possession de ma maison, me séquestrer chez moi, mais du coup faire leur vie, faire leur vie chez moi. Il avait déjà peur des squatteurs, c'est vraiment genre, bourgeois ce gars. Ouais, il vivait chez toi. Je sais pas, c'était pas très clair dans ma tête. J'ai peur des squatteurs. C'était pas très clair dans ma tête, mais toujours est-il que j'avais prévu deux armes au cas où il y avait des squatteurs. Une angoisse, la boule puante. Et genre ça allait les faire, ça y est. Et le savon pipi. Non mais quoi? C'est dans sa savonnette, ça veut dire qu'il pissait dans son vélo. Et donc, attends, j'avais pris une fin de savon, tu sais, où quand il reste un petit. Et j'avais commencé à pisser dedans, mélangé avec un peu d'eau et tout. Comme ça, j'étais en mode si un jour les cambrioleurs ils viennent et ils se lavent chez moi, je leur donnerai le savon pipi. Ils se lavent. Ça veut dire que potentiellement. Ah non, attends. Ça c'était caché dans ma chambre. Est-ce que ça sort? C'était caché dans ma chambre. Non, après, un de mes frères ou sœurs a déjà eu un accident avec mon pipi. Bref, j'expliquerai après. Alors attends. Attends, quoi? Attends, j'expliquerai ton après. Ton frère a eu un problème attends. Avec ton pipi? Chaque oui, jour, une nouvelle année de pipi. Et donc, avant attends, ça. Y a qui derrière? Avant ça. Oh putain. Bonjour. Le opening. Salut. Attendez, c'est Paf et Ellie, comment OMG ça va? On sort du ciné, on est allé voir The Substance. Ah, au grand ah putain, mais dites rien. On veut le voir. Les gens, ça va être un peu flou et tout, mais on s'en fout, comme ça on est tous ensemble. Ouais, bah oui. Voilà. Et donc, y a, avant que vous arriviez, il y a l'étard qui nous racontait l'histoire du problème, du pipi, oh du problème du pipi de son frère. Attends, ton frère a eu un problème avec ton pipi. Avant ça, donc en plus du savon pipi. J'avais une boule puante et du coup j'avais fait caca et j'avais enroulé dans du attends, papier quoi toilette. Attends, t'as fait une boule puante avec ton caca? Je croyais que ça marchait comme ça quand j'avais 8 ans. Quand j'avais 8 ans, c'est une boule de caca en fait, c'est pas une boule puante. À 8 ans, il était terrifiant déjà et en attends, fait. Et, attends, et en gros, j'étais en mode s'ils viennent, je leur jette dessus, je me cache dans ma chambre et ils vont être genre étourdis par l'autre. Et du coup, j'aurais le temps de me barricader. Ah ouais, c'était ma théorie. Et en plus, j'avais un balcon qui donnait sur une autre chambre, donc c'est ensuite je peux m'échapper par le balcon et ensuite je peux passer par là et tout. Et j'avais vraiment un plan dans ma tête au cas où il y avait des gens qui venaient me séquestrer chez moi et je pensais que ma boule de caca allait me protéger et qu'au pire s'ils arrivaient à me séquestrer, le savon pipi allait les paralyser et je sais pas. Mais t'es vraiment, tu pensais vraiment que tu étais dans Maman j'ai raté l'avion? Ouais, voilà, tu voulais mettre des billes par terre et tout. Voilà. Attends, du coup tu l'as conservé où? Elle est où la boule caca maintenant? Elle est encore là, cachée dans ma chambre. T'avais une boule de merde dans ta chambre? Ça devait puer la mort dans ta chambre. À un moment, ça sentait mauvais. Et du coup, mon père était en mode, mais pourquoi? Et en fait, il a découvert ma boule de caca. Oh merde! Non, mais ça veut dire que l'autre histoire dont tu ne veux pas qu'on parle, tu nous dis c'est arrivé qu'une fois, mais en gros, c'est arrivé deux fois. Bah là, c'est pas pareil. Non, mais si, tes parents ont traumatisé. T'es traumatisé. Mais est-ce que. Mais attends, mais du coup, tu la revois de temps en temps, ta boule à caca? Mais non, mais j'avais 7-8 ans. Le daron qui remet en question toute son éducation. Les gens, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. D'ailleurs, moi, je me demande, tu sais, est-ce que tes parents et tes frères, ils n'avaient pas peur que ce soit toi le tueur? Est-ce qu'ils n'avaient pas peur? Est-ce que toi, tu n'avais pas parlé de ça en mode un jour, il va se réveiller, il va tous nous tuer? Peut-être. Alors, une fois, mon frère, il a bu mon pipi. On parlait des traumatismes. Donc, lui, son traumatisme, c'est quand il a fait boire du pipi à son frère? Non. Donc, c'est quoi ton plus gros traumatisme? Alors, du coup, il y avait les cambrioleurs. Et après, du coup, quand j'étais un peu plus grand, quand j'étais seul chez moi, j'avais peur qu'il y ait des gens qui rentrent. Du coup, je prenais un couteau et je me baladais dans mon appart. Enfin, dans ma maison avec le couteau, en mode, comme ça c'est les cambrioleurs qui viennent, je suis armé. Et après, sauf que je m'amusais à faire un truc un peu attends, bête. Tu te baladais tout le temps avec un couteau? Non, c'est genre mais juste tes parents, ils étaient, non, mais il va nous tuer un jour. Quand mes parents partaient de chez moi et que je me retrouvais tout seul chez moi, j'allais récupérer un couteau dans la cuisine et quand ils revenaient, je le rangeais. Parce qu'ils étaient là, donc c'est bon, j'étais protégé. Mais quand j'étais tout seul, j'étais en mode qui les protégeait eux? Oui. Non, de toi. Dites-vous, les darons de l'étard, ils dormaient tranquilles et il y avait un mec à leur porte avec un couteau couché qui, avec sa couette qui dormait devant. Pour les entendre respirer. Je les écoutais respirer. J'avais pas de couteau à ce moment-là. Je vous écoute. Et donc, du coup, juste ce que je faisais avec ce couteau, c'est que je le plantais dans des meubles. Quoi? Attends, tu t'entraînais à. Quoi? Oui, pour tester. Mais tes parents, ils ont dû péter. Non, mais ils ont dû avoir peur de toi, l'étard. C'est pas possible. Attends, l'étard, deux secondes. Déjà, ils ont un enfant qui dort à leur porte pour les écouter respirer, qui a des boules de caca dans sa chambre et qui en plus prend des couteaux pour Tu dis ça, t'as jamais eu d'enfant, c'est pour ça. De quoi? Tous les enfants font des petites bêtises. Et en fait, un jour, ils se sont rendu compte qu'il y avait des coups de couteau dans.
ils étaient en mode, ils sont en mode, bah pourquoi? Et du coup, j'ai reconnu, j'ai dit, bah c'est moi, je sais pas. J'ai tellement envie d'engager Christophe Ondat pour qu'il raconte ta vie, l'état. Bah rien, juste ils ont retourné les meubles parce que c'était des meubles Ikea qui. Du coup, pour mettre les coups de couteau en bas. Genre, ils t'ont rien dit, juste ils ont fait. Oh merde! Bah ils ont dû avoir l'habitude! Mais t'es complètement con! Pourquoi t'as mis des coups de couteau dans le meuble? Voilà, quand tu parles, bah oui, mais tu veux qu'ils disent quoi à part. Et donc, vous, c'est quoi le moment où vous avez le plus flippé? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez grave flippé l'état? Milan, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un gros. Je trouve pas. T'as jamais flippé? Toi, t'as eu la belle vie en fait. Non, mais je sais pas, je suis pas facilement. Non, mais sa vie, il a chanté cap, tout s'est bien passé. Disque de platine. Ça, c'est effrayant par contre, c'est vraiment effrayant. Est-ce que t'as fait des cauchemars de Ilona? Non, je faisais des cauchemars horribles quand j'étais petit. Est-ce que tu rêvais de pécho Ilona quand t'étais petit? Bah non, pas du tout. Après, je l'ai déjà vu, j'ai une photo de moi et Ilona. Ah ouais? Ouais. T'étais pas amoureux? Non, j'étais pas amoureux, non. Mais t'étais énervé contre elle? Non, j'étais pas énervé. Est-ce que t'es... Moi, j'étais un enfant, je comprenais pas ce qui se passait. Hein. Juste, on me dit, t'es dans le top 50, t'es bien. Et moi, j'étais là, oh, trop bien. Tes parents, est-ce qu'ils te faisaient, t'es une pauvre merde, Ilona, elle fait mieux que toi, t'as pas honte? Elle est la compétition. Mais c'est pas Ilona, mon ennemi juré, hein. C'est Crazy Frog. Ah, ouais, là, tu rivalises pas avec Crazy Frog. Mais Crazy Frog était premier, j'étais deuxième. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est toi le chanteur de Cap Pas Cap. Bah oui. Mais il a chanté Cap Pas Cap. C'était quoi ton nom d'artiste? Pinocchio. Pinocchio. C'est lui Pinocchio. T'aurais dû te déguiser en Pinocchio. Tu peux pas chanter. Tu peux lui la rechanter? Oui, chante. Allez, les gens, tu peux lui la rechanter. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une chanson. T'es Cap Pas Cap. De te rouler dans la boue. T'es Cap Pas Cap. Marcher 3 km sur mes genoux. Est-ce que t'as l'impression d'être un peu l'artiste qui revient 20 ans après, sous l'alcool et tout, ouais, le glotone de malade quoi, aura, parce que là il y a le truc années 80, après il va y avoir 90 et moi je, pour 2000 je serai là. C'est vrai, et dans 20 ans il sera à là. Bercy. Ah, tu seras là à Bercy et tout. Ah ouais. Toby, c'est quoi le moment où t'as eu le plus peur dans ta vie? Et moi je suis assez terrorisé des histoires un peu de mythes en mode, je sais pas si vous connaissez la bête du Gévaudan par exemple. Oui. Le loup là? Ouais. C'est dans le pack de Nelou aussi. Comme la bête de J'ai ton nez, mais là c'était dans, c'est ça. Mais ça te fait vraiment peur. À l'endroit, et en fait j'étais en vacances à l'endroit où il y avait ce truc à l'époque. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc déjà, voilà. Et non, mais c'est juste, j'avais un pote qui avait une grand-mère qui habitait là-bas, je sais pas quoi, on était en vacances, et du coup j'étais tout seul dans la chambre après qu'on m'ait raconté l'histoire. Et du coup j'étais terrifié parce que c'est vraiment des vieilles maisons et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de raconter son traumatisme là, Toby. Je suis trigger warning en fait. C'est ça où t'as eu le plus peur dans ta vie? Non, il y a eu plein d'autres fois, j'imagine. Mais là, je pensais à ça. Mais c'est quoi qui fait le plus peur là? Monter l'extrême droite. Bardella. Bardella. Non, moi, il me fait. Tu penses que tu le bats à la bagarre? Bah, gros, bien sûr. Bardella, je l'ex. Bardella, je le 1v1 sans problème. C'est pas un gorille, tu vois. Il est sérieux? C'est ce que je veux dire. Moi, je pense qu'il t'encule. Mais oui! Cool, c'est sûr. Mais c'est une... Mais tu baquais à la bagarre, toi. C'est un fragile. C'est mais bon, et toi, t'es quoi? Il va faire quoi? Il va faire ah non, arrête. Wow. Voilà ce qu'il va wow. faire. Wow. Arrêtez, on le sait tous. On le sait tous. Et toi, tu vas faire quoi? Je vais faire. Tu vas te mettre en boule et non, tu vas non, faire. Non, non, je vais faire. Non, je continue. Voilà. Ça a été quoi ta plus grande peur, l'état? Là où t'as eu le plus peur dans ta vie? Les clowns, les araignées. Est-ce qu'il y a un truc? Il y a eu un moment traumatisant dans ta vie. Non, ça va. Voilà. est-ce que autour vous avez un traumatisant truc vraiment pas. Ouais, t'as un truc qui te fait peur. Oui, il y a plein de trucs qui me font peur, mais vas-y. Vraiment un traumatisme. Bah, je sais pas, la nuit, ça fait un peu peur. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Parfois, moi, la nuit, le concept de. Genre, je suis là et c'est le la concept nuit. De nuit. Non, je suis là, c'est la nuit. Et ils disent, bah, hey, il fait noir et on voit rien. Ah ouais, cool. Qui a peur, hein. Bah fait oui. Ce concept? Peut-être qu'il reviendra un peu. C'est terrifiant. En fait, est-ce que ce qui te fait pas peur dans la nuit, c'est la solitude? Non, non. Bah, je suis pas sûr que l'étard, ça lui fasse peur, la solitude. Pas peur, je me suis habitué. Donc l'étard, pas de peur particulière. T'as pas eu un moment où tu t'es chié dans ton froc? Enfin, de peur. Pas de plaisir. Après, c'est pas un moment de plaisir de chier dessus, faut aller se nettoyer quand même, c'est chiant. Oh, putain, mais ça, c'est j'en ai marre de lui. Pour mettre chier dessus sur un Vélib, ça permet quand même de se réchauffer un peu les parties. Quand est-ce que tu t'es chié dessus sur un Vélib? Attends, quoi? Mais attends, mais t'avais quel âge? Est-ce que c'est le moment de l'anecdote? Vous voulez dire la dernière fois que vous êtes non, chié dessus? Allez, la dernière fois que vous êtes chié dessus, allez, allez, Toby. Non, mais attends, si tu veux, on peut se tenir la main pendant que tu fais ça. Ah non, moi je suis archi à l'aise avec ça. Vas-y, tu t'es chié dessus, ok. On va pas te réveiller à 3h du matin. Attendez. T'avais quel âge?
L'année dernière. Il y a un an. Oh, tu t'es chié dessus il y a un an? Ouais. Vas-y, raconte. Bah, j'étais chez une pote avec un pote. Mon coloc, on était en coloc et on était chez une pote. Et on était allé en Vélib. Déjà, c'est bien. Ouais, mais c'est que j'essaie de bien agencer le truc. On était, mais vraiment, soirée tranquille, en mode un peu repas, et on a bu un peu du vin rouge. Et au cours du repas, j'ai eu un peu mal au ventre. Mais genre, mal au ventre, un peu... tu sais, tu bois du vin rouge, t'as mal au ventre, quoi. Pas envie de chier, ni rien, tranquille. Et on rentre, mais assez tôt, vraiment. Repas tranquille, on rentre assez tôt, peut-être 23h, quelque chose comme ça. Et comme on est venu en Vélib, parce qu'il y a une station Vélib juste en bas, on s'est dit, on repart en Vélib. Et donc, je commence à descendre l'escalier de l'immeuble. Et là, vraiment envie de chier. Mais d'un coup. Et du coup, je me dis, oh, ouais, mais vas-y, ça va attendre. On est vraiment à 15 minutes. Je vais pas demander à ma pote de chier chez elle. C'est bizarre de faire ça. Il y avait encore du monde et tout. Donc je me dis, en plus, je viens de commencer à avoir envie de chier. Normalement, tu peux tenir longtemps. Théoriquement. Sans les escaliers et tout, j'en parle pas à mon pote. On se dirige vers la station Vélib qui était vraiment pas loin. Et vraiment, plus j'avançais vers le Vélib, plus je me disais, mais là, je commence vraiment à avoir envie de yesh. Mais ça devient urgent, quoi. Alors que ça commençait juste. Mais j'étais fulgurant, en mode, quoi. Mais la fulgue de fou. Et du coup, j'étais en mode, non, mais tranquille, on se retient, c'est normal. Et là, le truc, c'est que pour ceux qui connaissent les Vélib, moi j'avais pas les Vélib électriques, on pouvait prendre que des verres déjà, donc il y en avait très peu. Et en plus, il y en avait aucun qui marchait, c'était horrible, ça mettait trop de temps. Et moi j'étais un peu dans le stress de bon, faut que je me dépêche, je galérais à trouver mon Vélib et tout. Plus je galérais, plus j'avais envie de chier. Et juste, il y a eu un moment où j'étais en mode, ok, là, faut que je chie, c'est plus possible. Bah, retourne chez ta pote. Non, parce qu'il fallait monter les escaliers et tout, je me suis dit, c'est fini. Et au loin, dans la rue, toilette publique. Donc là, je me dis, bah, c'est ma dernière chance, toilette publique. Je fonce sur la toilette publique en me disant, ok, là, s'il y a un problème, c'est finito, je me chie dessus parce que ce n'est plus possible de remonter. Son cerveau a vu les toilettes et du coup je pense qu'il se relâche un peu, ouais, c'est horrible. J'arrive devant les toilettes publiques, ils étaient en panne ou je sais pas quoi, donc je suis devant les toilettes publiques et là je me dis, eh ben je vais me chier dessus parce que je ne peux rien faire d'autre. Mais il n'y avait pas. Attends, il y a un moment, t'as abdiqué. Ouais, et du coup, il y avait bien des bars, mais en fait, tu peux pas aller juste chier dans un bar en mode tu vas dans les toilettes directement. Mais moi, je fais ça tout le temps. C'est. Genre, juste, tu vas avec suffisamment de confiance, tu te dis, bon, moi, je vais aux toilettes, et puis voilà. Ouais, je te sens, mais là, il fallait que je marche. Mais comment ça se passe mentalement? Eh ben, écoute, enfin, il y a toujours l'espoir de pouvoir se retenir, en fait. Et du coup, je me dis, bon, vas-y, je trace vers les Vélib, j'arrive à choper un Vélib, mais je dis à mon pote, gros, là, je. Il va peut-être se passer un truc zarbi. Peut-être je vais me chier dessus. Et on commence à monter sur les Vélib et tout. Et juste là, je me chie dessus. Mais de manière incontrôlable. Genre, bah, c'était juste, j'avais la chiasse. Est-ce que tu t'es senti soulagé quand même? Un peu honteux et quand même soulagé. Ah oui, il y avait un côté... maintenant, de toute façon, c'est fait, tu vois. Mais donc, je me chie, mais genre... Je me chie dessus, donc je suis plus sur le vélo, je me chie dessus, ça coule et tout, machin. Mais grâce à ton slip, quand même, ça n'a pas... Et ouais, j'avais un calbar... élastique. Élastique. Ouais. Cimer. Et du coup, là, je me dis, bon, bah, gros, je remonte sur le vélo. Mon pote était mort, parce que du coup, je lui ai dit, je me suis chié dessus. Je remonte sur la selle et tout, bon, bah, c'est dégueulasse. C'était l'année dernière, les gens. C'était l'année dernière. Il a dit, je remonte sur la selle. Là, il me restait deux solutions. C'est soit je rentrais à pied, mais le calvaire pendant 30 minutes parce que t'as la merde au cul. Soit le Vélib, c'est un peu chiant parce que du coup, ton cul est vraiment posé sur la selle, ce qui est horrible. Mais juste, bah, j'arrive chez moi rapidement. Et du coup, bah, j'ai. Mais ça va être horrible le moment après où t'as chié dessus, où tu te sens de la merde. Bah, gros, je t'avoue, moi, une fois que j'avais chié, j'étais en mode, bon, bah. Ça faisait chaud? Est-ce que c'était chaud? C'était brûlant. Est-ce que le pire, c'était pas de devoir nettoyer ton froc plein de merde? Et alors, du coup, ça y est, j'étais en mode. Le plus dur est passé maintenant. Je suis agréablement posé sur mon Vélib, un peu confortable. Je pose le Vélib devant plein de monde qui ne se doute pas que j'avais le cul plein de merde. Est-ce que t'as regardé la selle du Vélib après? Ouais, bah, forcément, ouais. Petit check, il n'y avait rien parce que. Okay. Tout était contenu dans ton calbar. Tout était contenu, mais bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Terrifiant de se chier dessus, en vrai, un foudroyé par la merde. En tout cas, ouais, un bon live d'Halloween. Bah attends, Ellie, c'est quoi ta plus grosse peur? Mais le moment où j'ai eu le plus peur, c'est en vrai, c'était les chaînes à l'époque en 2010. Les gens ils s'envoyaient des chaînes par message et disaient si tu renvoies pas à ton pote, ah oui, putain.
Et il y en avait une qui m'avait vraiment trauma, c'était une sorte de meuf complètement défigurée avec un couteau qui t'attend au bord de ton lit, quoi. Et du coup, j'ai dû dormir pendant une semaine avec mes parents, quand même, ouais. Ah, mais t'avais quel âge, 2010 J'avais 10 ans, ouais. 10, oh putain, ans. Ah ouais, ça j'étais fait peut-être mal. Plus vieille parce que du coup, j'avais un téléphone, 12 ans. Non, 12 ans, j'avais 12 ans. Ah, c'était trop chiant. Ouais. Un gros trauma, la paralysie du sommeil. Je sais pas s'il y en a qui l'ont eu, ça. Moi, j'ai déjà eu un truc comme ça. Ouais. Tu l'as déjà eu? Ouais, ouais, ça, moi, c'est j'ai eu. C'est horrible. Mais en fait, c'est vraiment... J'ai l'impression que tout le monde le vit différemment, mais moi c'était vraiment en mode je ne peux plus bouger mes muscles. Ouais. C'est vraiment tu te. En fait, et moi j'arrivais plus à respirer, ouais, aussi. En fait tu te réveilles et mais ton corps est pas réveillé et du coup tu vois des trucs, t'es conscient, mais ton corps lui il a un petit lag, ça quoi. Ça dure combien de temps? Ça peut durer. Moi ça durait. En fait la distance. Mais t'as l'impression que c'est temps, super, ouais, long. Et donc toi ta plus grande peur c'était ça? Ouais, franchement, paralysie du sommeil. La première fois que ça m'est arrivé c'était terrifiant. L'état, c'est quoi ta phobie? J'ai pas tant de phobies. Et non, ce qui me terrifie aussi, depuis que j'ai des chats, c'est je me dis les gosses. Avoir des gosses, ça va être terrifiant. Ah oui. Parce que tu vois, je me dis déjà mon chat, quand je dois l'opérer. Il nous reparle encore de son chat. Attends, ouais. Non, je vais t'expliquer. En fait, je me suis dit, imagine, t'es enfant. T'as un enfant, t'es un parent, et genre, tu le laisses à la babysitter. Mais t'es en mode, mais ça se trouve, elle va le buter. Ouais, mais peut-être que tes enfants, ça va être qu'un peu comme toi avec tes parents, ils étaient contents de le laisser à la babysitter. Alors, c'est vrai que j'étais souvent laissé au babysitter. Moi aussi j'ai peur d'avoir un enfant qui s'étouffe genre dans la nuit dans son berceau. Mais oui, non, mais en plus les enfants ça crève trop facilement. Ouais, t'appuies sur leur crâne, tu les tues. Les enfants ils peuvent. Mais pourquoi tu vas appuyer sur son crâne? Non, mais ouais, tu sais, parce que c'est gigamou, tu le fais tomber. Oui. Mais ça, il y a des anecdotes. Moi je fais souvent tomber des verres, donc un enfant, t'sais, ça me terrifie. Tu sais l'anecdote, le médecin légiste là chez Guillaume Play, il fait quoi raconter des anecdotes comme ça, pardon. Ça, tu vois, c'est terrifiant, l'état. Oui, faut pas qu'il ait d'enfant, l'état. C'est terrifiant, ça. Attends, en fait, moi j'ai une phobie, c'est. Il est chiant. Être enfermé dans un endroit clos. Claustrophobe. Oui, cercueil, genre. Okay. Claustrophobe, quoi. Ouais, mais. Genre Kill Bill. Oui, mais t'as vu la technique. Mais oui, t'as vu la technique. Non. T'as jamais vu Kill Bill? Si, je l'ai vu, mais il y a trop longtemps. Et genre, bah ouais, mais genre, c'est terrifiant. Le gars, il se réveille, il est dans un cercueil, il était là. Et moi, c'est ma phobie. Ok, c'est ça ma phobie. De mourir enterré. Bah non, juste d'être vraiment dans un cercueil, tu sais. Moi, c'est d'être coincé, un truc, pas forcément dans un cercueil, mais d'être coincé dans un truc tout petit. Genre, c'est les morts dans. Tu sais, ceux qui vont dans des grottes. Non, mais ceux qui vont dans des grottes. Oui, ça, c'est terrifiant. Ça, ils sont malades. Moi, ça m'angoisse juste de les voir dans des petits espaces, ramper comme ça et tout. Tu sais, il y a la fameuse image là du mec qui est retrouvé coincé dans les pierres. C'est quoi l'image? Ça aussi, ça me terrifie. Quelqu'un, envoyez-moi l'image. C'est quoi l'image? Ouais, envoyez l'image. C'est un mec qui fait que ça, aller dans des grottes et tout, et il s'est mis dans un mauvais endroit. Ils sont. Leur respiration quand ils passent dans les tunnels, ils contrôlent leur respiration. Je pensais que vous parliez d'autre chose. Non, une tête, faut pas montrer, non? Ouais. On voit pas, non, non, c'est juste un dessin. Ah, okay. C'est un dessin. Ils ont appris à gérer leur diaphragme, je sais pas comment on dit, pour passer dans des tunnels. Et sauf que d'une mauvaise façon, il avait la tête en bas, mais il savait pas lui-même qu'il avait la tête en bas, donc le sang qui lui montait à la tête. Il a trop respiré, donc il ne peut plus revenir en arrière, en fait. Et même si les secours, tout le monde est au courant. Il n'y a pas de solution, donc ils essayent de le sauver, mais lui sait qu'il va mourir. Tous les secouristes voient qu'il n'y a aucune solution, et c'est le temps, en fait, il va mourir, c'est horrible. Quelqu'un le dessin, je veux voir. C'est terrifiant, c'est comme mourir noyé, tu vois, mourir noyé en mode l'auto-recouvre, etc., après, ça c'est terrifiant. Mourir noyé, là où c'est moins pire, c'est que genre à un moment tu c'est que quand t'es bébé, tu peux respirer. Encore plus, t'es... Ou quand t'as un dauphin. Voilà. Voilà. Attendez. Et ça c'est terrifiant. Ah oui, mais ils peuvent rien faire. Non, personne ne peut rien faire. Parce que ouais, tu fais comment pour le sauver? Là, t'es obligé de lui casser les jambes. C'est ou... terminé. Enfin, c'est terminé. Mais les gens, pourquoi il peut pas? Comment vous le sauvez là, les gens? Dans une grotte? Une grotte, hein? Oui, vous croyez oui, pas oui. que c'est pas l'entrée de la grotte là, les gens? Hein. Oui, non, c'est fini. Vous voulez faire comment? Non, c'est fini d'eau. J'ai une autre phobie, c'est de mourir asphyxié. Je pense que c'est vraiment. Comment un truc dans la gorge, genre? Non, alors moi, le scénario que j'ai, c'est je suis dans l'espace tout seul et j'ai plus d'oxygène. Ouais. Oui, bon. L'espace, c'est pas grave. Voilà. Tu n'as pas les moyens. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que l'espace c'est badant, c'est horrible, c'est vraiment. Mais c'est fascinant. Oui, voilà, les abysses. Les abysses, c'est angoissant de mourir. Non, c'est moins. Non, les abysses, c'est parce que c'est plus. T'as plus de chances d'être à la mer que dans l'espace, je te dis. Hein. Ouais. Donc moi, j'ai plus peur de ça. Déjà, je me dis, pour être dans l'espace, faut le vouloir. Oui. Il y a des étapes avant d'être là-haut. Alors qu'un petit crash d'avion, bam, océan, bam. Mais rue, juste, tu prends le bateau. La phobie d'être au milieu de l'océan. Tu vois, de pas avoir de terre autour. Ça c'est quelque chose. Ouais, là, c'est
Ouais. On continue, c'est à toi Marie. Ton moment qui t'a le plus traumatisé, ta phobie. Le moment qui m'a plus traumatisé, je sais pas, mais phobie, en vrai, si, ça doit être lié avec mes traumatismes, mais j'ai tendance à terriblement paniquer quand les gens autour de moi sont un peu trop malades. Enfin, quand je juge qu'ils ont... Hypochondriaque, donc. Mais sur les autres. Sur moi, ça va, en vrai. J'ai pas l'impression que j'ai clamsé toutes les 5 secondes, un peu. Mais sur les autres, c'est un peu horrible. Tous les gens autour de moi, en fait, à partir du moment où j'aime quelqu'un, je rêve à peu près 20 fois qu'il meurt et dans toutes les façons différentes. Moi, j'ai ça, mais c'est l'inverse. Genre, J'espère qu'il meurt. Non. De ton truc de... En fait, moi, quand j'ai mal quelque part ou quoi, j'ai tendance à grave atténuer le truc parce que j'ai trop peur que les gens soient comme toi et angoisse de fou sur mon problème. Ah, d'accord. Oh, il va trop bader, il va se dire que j'ai un truc de fou. Mais du coup, par contre, quand quelqu'un a un problème, genre une migraine ou quoi, je vais avoir tendance à essayer de dédramatiser le truc. Faut pas forcément faire ça, mais juste moi, c'est mon moyen de faire comprendre à la personne que je suis pas maxi angoissé et du coup, ça crée pas un cycle d'angoisse. Tu voulais dire quoi? C'est quoi les trucs intrusifs? Parce que c'est les pensées intrusives. Non. Bah, en gros, c'est genre t'es dans des situations et tu t'imagines faire des trucs genre inappropriés, voire illégaux. Par exemple, jeter le bébé, par exemple. Oui, c'est ça, t'as dit. Mais t'en as plein qui angoissent de prendre le bébé. Oui. Parce qu'ils s'imaginent faire des trucs de ouf avec mais le bébé. Mais en fait, ouais, et en fait, il y a un truc. Ouais, genre, imagine, tac. Oui, ça c'est. Mais j'ai encore ça, moi, en voiture. Enfin, je peux pas être en voiture sans imaginer ouvrir la portière, en fait, quoi. Oui, c'est... par exemple. Et pareil, si vous êtes près d'un ravin, près d'un truc, vous venez en fait, c'est ton cerveau qui cope ça. Alors, enfin, je sais, par exemple, pour le vertige. Le vertige, ton cerveau, il comprend pas qu'il y a un. En fait, il y a un danger, parce que si tu tombes de la falaise, tu meurs. Sauf qu'en même temps, quand tu marches dans la rue, tu tombes pas, tu te casses pas la gueule comme une merde d'un coup, tu vois. Oui, et du coup, ton cerveau, vu que comprend pas, parce qu'il se dit, il y a un danger, mais en même temps, il y en a aucun, il invente un saut pour te faire comprendre qu'il y a un danger. Parce qu'il... Ouais, il invente très bien, moi, parce que qu'est-ce que j'ai le vertige pour rien, c'est une horreur. Très inventif. Il y a une dimension aussi où ce genre de truc, si tu le refoules, déjà, il y a un truc bizarre, c'est que parfois, t'en parles pas. Et tu sais, tu te rends pas compte que genre c'est normal et que tout le monde a ce genre de réflexe. Parce qu'en fait, c'est ton cerveau qui en gros te crée une angoisse pour justement que tu fasses gaffe. C'est un peu un truc comme ça. Et en fait, plus c'est un tabou chez toi, plus c'est quelque chose où tu te dis, ouais, je suis une mauvaise personne. Par exemple, si tu moralises le truc en mode je suis fou ou vraiment c'est pas bien. Et plus en fait, les pensées intrusives peuvent être fortes et genre être des pulsions, tu vois. Donc c'est un truc paradoxal où en vrai en parler. C'est utile quand même. Ouais ça. Ouais voilà. Et alors qu'en parler ça te libère en vrai. En mode ah bah normal tu vois. Quand je conduis sur l'autoroute j'imagine trop tourner le volant. Ouais moi aussi. Moi aussi. C'est horrible. Milan. Des phobies. J'ai pas beaucoup de phobies. Et un peu la phobie du téléphone moi. Beaucoup du mal à téléphoner et tout. Ouais, moi aussi. Je déteste ça. Non mais on est d'accord. J'ai la phobie administrative. Oui, j'ai pas la phobie administrative. Non, la phobie administrative, j'ai pas du tout. Mais la phobie du téléphone, de ouf. Genre, en vrai, c'est pas si dur l'administration. Les gens, ils se compliquent la vie. Mais le téléphone, c'est dur, connard. Non, mais moi, c'est compliqué. Il y a des trucs, je peux pas. Genre, j'ai perdu vraiment, si je dois rappeler. Heureusement, il y a Uber Eats. Hein. Sinon, jamais je mange de pizza de ma vie. Hein. Jamais c'est je pas très grave, j'ai envie de dire. Il y a pire que sinon tu bouges ton recul jusqu'à la pizzeria. Non mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Genre, non mais après, Milan, c'est pas que au téléphone. C'est que même t'es de façon timide oui, de parler de base, à des inconnus. Oui, de base, général, je suis. Quoi. Mais au téléphone, c'est encore pire. Oui, heureusement qu'à téléphone, j'aurais jamais mangé de pizza de ma vie. Je tiens à vous le dire. Mais non, c'était, mais c'est grave de pas manger de pizza. Non mais attendez, on peut évaluer l'option ou juste il bouge. Oui. Non mais ouais. Il va acheter la pizza à Domino's Pizza, ouais. Oui, bah bonjour, oui. Bonjour monsieur de la pizza, mais... donnez-moi la pizza. C'est un exemple parmi d'autres. Non mais par exemple, j'ai perdu un dentiste à cause de ça parce que j'ai jamais osé le rappeler. Donc toi, c'est vraiment une phobie de fragile. Ouais, un peu. Alors, c'est juste mais par contre, j'ai pas du tout peur genre de l'avion, des fonds marins. Contrairement à toi. Oui, moi j'ai peur de l'avion, mais c'est compréhensible d'avoir peur de l'avion. Non, c'est qu'il y a moins de chances. On est dans les airs, les gars. Mais il y a moins de chances de mourir. Toi, t'as peur de téléphoner? Moi, j'ai peur d'être dans les airs. Vous savez que Louane, elle a peur des bananes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Louane, la chanteuse. La chanteuse. C'est qui Louane? La chanteuse Louane. C'est le jour 1. La famille Bélier. D'accord. Mais moi, j'ai aussi peur des guêpes. Mais ça aussi, c'est compréhensible, les guêpes. Il a très peur des guêpes. Je flippe des guêpes. Il a une grosse phobie. Il voit une guêpe, il se stabilise et il panique. Quand je vois une guêpe, je fais. Voilà, et je fous partout à peu près, mais vraiment. L'avion, ça fait peur, même si on rationalise. Merci, ça, j'avais pas vu. C'est pas du tout lié au 11 septembre. Non, mais peur de l'avion, c'est juste que pour moi, on a rien à faire là-haut. Ouais, c'est ouais, effrayant. Et moi, je pense au pire épisode d'avion de tous les temps.
C'est l'autre qui s'est suicidé avec l'avion là. Oui, non, mais ça c'est. Les gens imaginent. Dites-vous que ça s'est réellement passé. Il y a le pilote. Qu'il y a des gens qui étaient en panique parce qu'il y a quelqu'un qui a fermé le truc du pilote et qui a dit on va foncer dans une montagne. Et t'as les gens, ils disent « Oh putain !» Oui, ça c'est terrifiant d'être dans cette situation-là. Oh là 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 là. Les situations de mort pas imminente, mais genre dans 20 minutes. Ouais, voilà. Tu sais que tu vas mourir dans 20 minutes, c'est tétanisant. Mais après, t'as pris combien de fois l'avion aussi? J'ai pas pris souvent, moi j'ai dû le prendre. Parce qu'en vrai... 2-3 fois. En vrai, le début, la première fois où tu prends l'avion, ça fait peur, mais au bout d'un moment, tu... Tu prends tellement. Oui, mais je suis pas assez bourgeois pour plus avoir. Alors, si c'est ça, ouais. Non, mais l'État qui rationalise. Il leur a pas annoncé, je crois. Mais les gens, vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait. C'était le copilote. Le pilote est sorti pisser et il a fermé à clé. C'est-à-dire que les gens. Il avait pas besoin d'annoncer. Mais les gens ont dû voir le pilote se paniquer, les hôtesses paniquer. Et il veut dire, il y a un moment, tout le monde panique. Donc, il avait pas besoin de dire, je vais foncer sur un mur. Juste, tu vois, t'es dans l'avion, tu vois le pilote paniquer. T'es pas bien. Tu n'arrives pas à rentrer dans les cabines, tu fais. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète, chérie, c'est normal. Attends, ils ont fini dans la montagne du coup? Ouais. Bah, ils ont fini, il a foncé dans un truc. Il y a eu des survivants? Ben non. Bah, non, et depuis. En fait, depuis, c'est maintenant interdit qu'il n'y ait qu'une seule personne dans le truc. C'était quand? Mais c'était à pas long, il y a 10-15 ans, il y avait Angela Merkel qui était présidente de l'Allemagne. Ok. Je sais pas, chancelière, voilà. Chancelière. Donc, oui, c'est pas nous. Après, souvent dans les. Ils ont interdit les montagnes. Il y a des extraits. Et ça, c'est effrayant. Et je trouve que les gens qui écoutent ces extraits sonores sont horribles. Sur YouTube et tout, vous pouvez trouver les derniers moments des boîtes noires. Et c'est le genre de truc que j'aime pas écouter. Bah oui, non, mais c'est horrible. Dans les docus. Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, et ça me fait mes petites terreurs. Enfin, c'est comme un. Oui, mais là, c'est des vraies personnes, moi, je trouve ça. Oui, mais sauf qu'il y a un truc un peu. C'est effectivement, c'est des vraies personnes, mais tu sais, c'est pas une vidéo, tu vois, c'est juste le son, il y a un truc un petit peu. Mais c'est des vrais. Je veux dire, ils sont morts. Il y a des documentaires sur le 11 septembre où c'est full ça, non? Ou genre, t'as plein de témoignages de gens comme ça. Oui, mais les témoignages, c'est pas pareil. Là, c'est. Pas que des témoignages, mais des gens où t'entends, tu sais, en fait, t'as des reconstitutions. Oui, les appels téléphoniques depuis les avions du 11 septembre. Oui, c'est horrifiant ça. Oui, c'est horrible, mais après, tu vois, il y a aussi un élément historique. Oui, non, mais non, mais. T'as un truc qui est atroce, c'est il y a un live où c'était un tournoi et il y a eu une fusillade sur ce tournoi. Et du coup, il y avait un live sur Twitch. Je vois le tâche. On voit pas deux choses, c'est juste on voit la cam du mec et on voit un viseur rouge aller sur la tête et juste après la cam se coupe. Et ça, moi, ça me fait pas peur, mais je me dis, waouh, chaud. Mais à partir du moment où ça touche des vraies personnes, moi je peux plus. Voilà le truc des trucs sonores. C'est horrible. Tu vois les gens en panique. Ah ouais, ouais. Genre hurler. Et moi, mon moment qui m'a fait le plus peur, où j'ai vraiment flippé, c'était en 2006. Je me rappelle, c'était en juillet. Et il y a quelqu'un qui était en train de faire un truc de ouf. Et il y a quelqu'un derrière qui l'insulte. Genre qui l'insulte de ouf. Et le gars, il se retourne. Mais je te raconte le moment où j'ai le plus flippé. C'est une vidéo, c'est un truc que t'as vu ? Ouais, c'est un truc. Non, j'ai vu en direct. Il y a quelqu'un qui l'insulte. Il se retourne. Il lui met un coup de boule là sur le torse. Ah oui. Et on perd la Coupe du Monde. C'était juste une belle ville. Oh, putain. 9 juillet 2000. Pas là. 9 juillet 2000. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Pas comme ça, Zizou. Pas comme ça, Zizou. Là, ça a été quelque chose dans ma vie. Ça a été un vrai traumatisme. Mazzarati, il avait été tué sur le coup par le coup. C'est qui Mazzarati? Attends. C'est qui Mazzarati? C'est qui Mazzarati? Imagine si Ferrari, là, il se fait tuer comme ça. Imagine la spaghetti, il meurt. Mazzarati! Le joueur de foot! Le joueur de foot! Avec Barilla! Mazzarati! Et le gardien, bouge pas! Les gens, vous savez pas, mais on a deux italianophones ici. Deux italianophones. Ici, qui parle très très bien italien, c'est Marie et Milan. Ils s'entraînent. Alors, sachez qu'ils s'entraînent le soir. Moi, je suis à côté et ils s'envoient des vocaux en italien. Et je vais les laisser avoir une discussion en italien. C'est parti. Ma che buongiorno. Buongiorno. E buongiorno. Come sta? Che chiama Marie e come sta? Muy bien. Et comment est-ce que c'est pas en... Alors, du moment qui on fait ça, c'est de l'Italie. C'est de l'Italien. Okay. Moi, j'ai le doigt, je m'appelle Milan. Il s'appelle Milano. Milano. Milan.
Et on peut faire ça pendant des heures. Voilà. Après, voilà. Vous rigolez, mais vraiment, littéralement des heures. Journée de travail à Java Prod. Comme ça, par contre. Mais oui, pas oui, comme ça. Comme ça. Bah écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Et bah écoutez, c'était horrifique. C'était très Halloween, hein. Mais je... dis-moi le non, mais attendez, le stream attendez, de Noël. Monsieur, merci Milan. Ah mais non, c'est Danny Caligula. Ah mais oui. Alors, excellent costume de Milan en Danny Caligula époque Doxa. Marie, alias Coralie, alias déguisée en moi. Très très beau déguisement, très beau maillot de l'Algérie. Paf, déguisé. Au fur et à mesure. En James Sutherland de voilà. Silent Hill 2. Silent Hill 2. Ellie déguisée en Batman. Alors force Toby. Toi, attends, Toby, en Toby qui était déguisé en vieille. Merci Franche pour ta franchise. Et là, déguisé en Subway Surfer. Voilà. Et bien sûr, on est d'accord que le meilleur déguisement, oui. C'est l'étard. Alors, sur une idée de Marie, déguisé, il veut le montrer, vas-y, reviens. Voilà. Déguisé en infirmière. Merci Fanche, merci pour les deux abonnements. Merci beaucoup, merci. Bonne nuit tout le monde, bisous, merci. Bonne salut. Ciao. Bonne chance au monteur, bah c'est moi.